West West les gens, 1, 2, 3. Vous savez, quelquefois avant de tourner une vidéo, j'essaie d'écrire les bases de la vidéo ou tout simplement quelques idées. Mais je vous avoue, quelquefois je garde des idées pour moi et c'est peut-être mieux pour vous. Enfin, vous allez vite comprendre, c'est parti. Nous allons lire des vidéos que j'ai écrites mais que j'ai jamais tournées, tout simplement parce que des fois il y a des idées que je marque dans mes notes, mais je crois que j'y réfléchis même pas en fait. Juste je les marque et je me dis, bah je ferai une vidéo dessus, mais c'est tellement nul. Donc, on va naviguer dans mes notes. Alors, oui, on dirait un petit peu un Teletubbies. Moi, j'aime bien. Alors, il y a celui-là. Donc, je vais screener pour vous l'insérer dans la vidéo. Pourquoi il y a fait du bruit ? J'ai marqué 10 clichés sur les blancs. On ne fait pas tous du cheval. Voilà. Juste, j'ai marqué ça, tu vois. Et je me suis dit, oh putain, je pourrais faire cette idée de vidéo. Il y a celle-là aussi. Tu connais le stress quand ? Trois petits points, donc ça, je pense que c'était le titre de la vidéo. Tu connais le stress quand ta mère te dit qu'il y a un produit qui est mis dans les toilettes, donc faut pas y aller. Du coup, dans l'heure, t'as bien évidemment envie d'y aller. Wahaha, que cet homme est drôle ! D'accord que c'est extrêmement gênant. À la base, je sais que je suis vachement gênant. Si j'essaie de rajouter de l'humour à mes vidéos, ça va être chaud. Genre ma plus grande peur. En même temps, je sais pas. Mais genre, c'est qu'un jour, tu vois, quelqu'un tombe sur mes vidéos et m'affiche sur Twitter. C'est comme le mec qui fait, alors maintenant, la chanson du dab. Alors, on peut faire beaucoup de dab dans cette vidéo, dans cette musique. Voilà. Alors, prochaine note. Lettre ouverte au rhume. En plus, celle-là, j'ai passé au moins 30 minutes à la faire. Et bon, au final, elle a été vite abandonnée. Donc, écoutez l'intro. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet plutôt sensible, voire extrêmement sensible, voire même sensiblement sensible. J'ai nommé le rhume. Par contre, l'intro était pas mal. Alors, cher monsieur rhume, je t'écris aujourd'hui pour avoir des réponses sur cette putain de maladie de merde. Ok, d'accord. Donc, le mec est super vulgaire. Premièrement, je me demandais pourquoi, mais surtout comment tu réussissais à rendre la France entière malade en l'espace d'un week-end, mais surtout les écoliers. Mais aussi pourquoi le nez qui coule venait seulement quand nous n'avons pas de mouchoir et que par la même occasion, nous sommes en classe. Pourquoi quand nous sentons que le rhume s'en va, tu arrives à revenir deux jours après, encore plus coriace? Comment mon nez peut-il accueillir autant de morve? Le nez qui coule et les yeux luisants sont-ils un pack? Ou est-ce possible de les acheter séparément? Mais non. Et cette vidéo elle est pas mal sans déconner. Mais bon, je la ferai jamais hein. Mais voilà. Est-ce que vous entendez les gros pas de ma soeur à l'étage? Non mais elle descend des escaliers, on dirait elle est dans ma chambre, sérieux. Alors, j'ai écrit tout simplement dans mes notes une note toute seule, je sais même pas d'où elle vient. J'avais des gilets avec les écouteurs au bout. J'ai eu des joggings et puis le léopard. Alors oui, je vais vous expliquer. En troisième, j'avais, vous savez, les gilets avec les écouteurs au bout là. Je crois que c'est Carrefour qui vendait ça. Et je suis parti à Londres et ma mère, pour Londres, elle m'a acheté ses pulls. C'était des gilets, c'est pas des pulls. Et comme j'assumais pas trop, et ben à la fin, genre j'ai coupé les écouteurs. Et je m'en suis juste servi comme gilet. Parce que moi là, genre je trouvais ça trop cool, genre trop swag. Et genre je l'ai montré à tout le monde, mais il y a pas mal de personnes qui se sont foutues de moi. Et comme j'assume pas du tout, bah j'ai coupé les écouteurs. Et c'est vrai qu'en 6ème ou en 5ème, j'ai eu un pull léopard. J'ai pas eu de jogging, mais le pull je l'ai jamais mis à l'école. J'avais trop honte. Mais pourtant j'adorais ça. En fait, dans toutes les vidéos, au moins une fois, faut que je me ridiculise, tu vois, c'est important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites notes? Les inconvénients de manger healthy. Donc ça devait être le titre. La diarrhée sera ton ami, je te préviens. T'as faim tout le temps, bien évidemment. Le bout de salade entre les dents est ton plus grand cauchemar. Ça coûte archi cher. Tu as une digestion très rapide, ce qui va avec la diarrhée en fait. Si t'oses dire, oh j'ai trop mangé, il y a forcément quelqu'un qui va te dire, tu te fous de moi, t'as mangé de la salade. Alors, si quelqu'un a rigolé, j'aimerais bien savoir qui c'est. Parce que là, vraiment, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Je suis pas drôle. Et des fois, je me demande comment vous faites pour regarder mes vidéos. Genre, au montage, des fois, je me dis, mais c'est vraiment de la merde. Et je me remets en question. Voilà. Au revoir, merci. Bon, voilà. J'ai parcouru toutes les notes, enfin, en tout cas, les 5 ou 4, 4 notes, je sais plus, 4 ou 5 notes qui me faisaient vraiment honte, en tout cas, dans mon téléphone. Pourquoi pas vous refaire cette vidéo dans 6 mois, quand j'aurai refait des notes que je ne ferai jamais sur ma chaîne, étant donné que je suis archi pas drôle. Si j'ai réussi à vous mettre les screens, bah voilà, vous pourrez les lire en même temps. Vous mettez pause et lisez-les, les notes. Parce que c'est toujours sympa de les lire soi-même pour voir si on aurait rigolé ou pas. Mais je pense clairement que vous avez pas rigolé du tout parce que j'étais hyper gênant. Cette vidéo c'était un peu n'importe quoi parce que j'ai lu des notes, je vous ai parlé, j'ai relu des notes, je vous ai reparlé. C'est une vidéo où on est posé tranquille ensemble, vous voyez, t'es vrai. Bref, si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire. Mets-moi en commentaire, bah là j'ai rien. Donc en fait voilà, juste mets un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. On se retrouve vendredi à 17h comme d'hab, tu me connais à la fin. Voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bonne reprise des cours. Courage. Vendredi 17h, tu connais les bails, The Place to Be sur YouTube, au revoir. Il était trop bien celui-là. L'homme qui dabait plus vite que son ombre. Bon bref, allez, salut.